Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation, ou plutôt pour l'unboxing de ce jeu, le Spirit Song Tarot. Alors, c'est un jeu que j'ai acheté tout dernièrement. C'est un des jeux, c'est un des derniers, c'est le dernier sorti d'ailleurs de Paolina Cassidy. Et voilà comment il se présente. Il est édité pour l'instant par US Game System dans un coffret rigide, comme vous pouvez le voir. Et on va donc retrouver toutes les belles illustrations, toutes les belles aquarelles de Paolina Cassidy. Alors, je vais ouvrir tout de suite avec vous. Voilà, je suis ravie de le découvrir avec vous. Vraiment, c'est un jeu qui a été assez longtemps sur ma wishlist aussi. Enfin, dès sa sortie, hein, de toute façon, il a rejoint ma wishlist. Et j'attendais un petit peu d'avoir comme ça le coup de cœur pour lui. Et comme avec tous les jeux de Paolina Cassidy, c'est souvent au moment d'Halloween justement qu'ils me font de l'œil. Le coffret est hyper doux, c'est un coffret mat, rigide, mat, avec des couleurs vraiment très douces. Alors on est un peu le soir, donc j'espère que les couleurs rendront bien à l'écran. On a un très très beau vert. Voilà, tout en douceur. Alors. Hop. L'intérieur est rose, rose pâle. Waouh! Ce petit livret, qu'est-ce qu'il est joli! J'adore! Waouh, je le trouve super joli. Vous voyez, il y a des motifs blancs incrustés. Alors, bon, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose que je vous montre le livret puisqu'il est tout en anglais. On va juste regarder très très vite fait. Donc, une introduction. Je vois qu'elle explique la structure du tarot, les animaux, The Spirit Songs Animals, les signes reliés aux éléments, les différents éléments. Donc je pense qu'on va peut-être les retrouver sur la carte, on va voir. Les suites. Alors les suites ont été renommées. Avec les symboliques à chaque fois, voilà, le cristal ça va être la terre, donc ça va être les pentacles. Ici on a le signe qui est relié à l'eau, à l'air et au feu. Ok, super. Et ensuite on passe directement aux cartes. J'adore ce petit dessin en noir et blanc comme ça, en crayonné, cette petite luciole. C'est une luciole. On a des mots-clés, un message, des mots-clés et un message pour la carte renversée avec des mots-clés renversés. Donc pour les arcanes majeures, on va voir si c'est pareil pour les arcanes mineures. Alors, c'est pareil pour les suites et pareil pour les arcanes majeures, mineures, pardon. Donc on a la même présentation pour majeures et mineures. Hop, je vois qu'à la fin, il y a un détirage, donc un tirage de l'étoile. The Spirit Song Healing Spread. The Spirit Song Tree of Life, donc de l'arbre de la vie. Ici, c'était la guérison des esprits, le tirage de la guérison. Du soin. Du soin, healing, plutôt le soin. Donc voilà, un tirage en une carte, un tirage en trois cartes et deux petites pages de notes. Ok, super. En tout cas, vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Je vais voir si je peux vous le montrer d'un petit peu plus près, comme ceci. Vous voyez, ces détails qu'il y a sur les cartes, je pense que ça va être juste sublime. Alors, je le mets de côté. Donc, notre petite boîte rigide toute rose. Je vais mettre ça de côté, on n'en a plus besoin. Je vais ouvrir les cartes. Alors, déjà, je vois qu'on a des bordures de couleurs très légèrement différentes. On a vraiment ce côté très pastel qui est présent sur chaque carte, mais avec de légères différences. On a un petit peu de jaune, un petit peu de bleu et un petit peu de vert. Et
un petit peu de couleur un peu chair qui est par exemple ici. Mais c'est vraiment très léger. Au niveau du dos, on a un dos qui est complètement réversible. Allez, je vous fais un zoom dessus. Thank you.
Voilà pour la présentation de ce très beau jeu. Finalement, je vous ai fait une présentation en trois temps parce que je voulais vraiment qu'on voit bien les cartes. Donc je me suis permis de faire la vidéo le lendemain matin. Depuis, j'ai pu un peu justement voyager avec mon jeu, l'emmener en balade, le découvrir, le toucher. C'est un jeu qui est extrêmement agréable au toucher. Vraiment, on a envie de le manipuler, de le brasser. Il est très beau. Très très beau, très doux, très tendre. Voilà, un gros coup de cœur. Mais j'ai l'impression de fonctionner un petit peu comme ça, moi, avec Paolina Cassidy, avec son travail. C'est que quand je vois toutes ces illustrations, ça me semble un peu chargé. Je me dis, je sais pas, peut-être, je doute. Et puis finalement, quand j'ai les jeux en main, déjà la qualité à chaque fois des cartons sont extraordinaires. J'adore le bruit, écoutez. C'est bête, mais moi j'aime beaucoup aussi le bruit des cartes, le bruit que font les cartes. Donc finalement, voilà un jeu qui est d'une telle douceur, je trouve, que ben voilà, pour moi c'est un jeu, un gros coup de cœur. Regardez l'étoile, comme elle est belle. Voilà, voilà donc pour moi, pour mon avis. Et du coup, c'est un petit peu plus qu'une unboxing puisque c'est également mon avis personnel. Après, il faut vraiment utiliser le livret pour aller comprendre l'essence justement du jeu, pour aller comprendre un petit peu ce que Paolina Cassidy a mis derrière ses illustrations. Mais une petite merveille, vraiment une petite merveille. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!